Bon bah bonsoir à tous les amis, petite vidéo ce soir pour vous faire voir les petites nouveautés. Du coup j'ai installé un nouveau sapin, hein, celui que j'avais, et ma nouvelle guirlande. Du coup voilà, je vais vous la faire voir. Voilà. Bon, j'ai décoré un petit peu le poteau électrique, hein, voilà, avec une guirlande de 80 mètres. Au moins le fossé, au moins il est protégé. Celui qui tombe dedans, bah, peut-être que ça va s'entendre, mais je parle du nez. Ouais, je suis vraiment, je suis pas malade, mais comment j'ai, en fait, hop, avec le costume Mipérol, ça va nickel. Et dès que je l'enlève, je dois choper un petit coup de froid et dit tout, et puis voilà. Du coup, regardez cette beauté. Voilà, il est magnifique. C'est un petit sapin, une petite boule. Hein. Franchement, il est superbe. Il est vraiment superbe. Et ouais, au moins ça protège vraiment le fossé. Il n'y a pas de souci. Bon bah je remercie quand même toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, dimanche. Putain, quand je parle du nez, c'est abusé. Toutes les personnes, ouais, franchement, ça fait vraiment plaisir. Mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Je remercie aussi les voisins qui sont venus aussi. Pour ceux, voilà, parce que de temps en temps je le dis aussi, hier je l'ai dit, bah aujourd'hui on s'est fait soit un peu plus de 70 euros de dons. Franchement, je remercie tout le monde. Franchement, merci de contribuer, mais vraiment à fond. Ça, c'est de l'argent que j'ai mis de côté dans un petit, dans ma chambre, dans un petit pot comme ça. Et franchement, je remercie vraiment tout le monde. Ça m'aide en fait. Oh putain, quand je parle du nez, il est enrhumé. Ce soir, c'est du Vic, mon pote, et tous les produits. Du coup. Rappelez, hier soir, je vous ai fait une vidéo que c'est que ça, c'était pas allumé. Enfin, c'était allumé, mais en petit. Tu vois, on voyait un petit peu. Et en fait, j'ai descendu le fil et j'ai vu que c'était débranché. Alors, ce qui est normalement improbable, mais il suffit qu'il y ait un chat qui a monté sur la caisse ou une connerie. Hein. Bah, voilà. Du coup, voilà. Plus de peur que de mal. Hein. Je pensais vraiment que c'était grillé. Et du coup, non, c'était qu'une prise. Alors. Pour mes petites étoiles, j'ai pas eu le temps de les regarder aujourd'hui. Demain, je le fais. S'il pleut pas, j'ai pas regardé la météo. Mais je crois pas qu'il pleut. Du coup, c'est ça, hein, qui est mort. Faut vraiment que je le coupe, comme il y a un abonné qui m'avait dit. Je le coupe et je les relie. Bon, du coup, ils fonctionneront plus comme à l'origine. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Au moins, du moment qu'il fonctionne, c'est le principal. Bon, bah, on va. Attends, déjà, on va fermer. Allez, c'est fini pour ce soir. Un petit week-end de clôturer. Ça fait vraiment plaisir. Là, je vais rentrer mon petit livre d'or avec ça tout à l'heure. Hop. Voilà, franchement, il n'y a pas de nouveauté. Ma fontaine, elle perd vraiment très très peu d'eau. Je pense qu'il y a des feuilles qu'ils ont dû se mettre au niveau des trous. Et du coup, franchement, ouais, j'en ai pas remis depuis 2 jours et elle a presque rien perdu. Ou vraiment, c'est vraiment minimum. Oh, comment ça? J'ai du mal à le dire, minimum. C'est abusé. Du coup, ouais, on va faire une. Ah ouais, ah, vous savez quoi? Ah ouais, mais je peux pas, il n'y a plus de machine. Hier, je vous ai dit que j'allais vous faire un test de la machine, mais il n'y a plus de produit, je vous jure. Ouais, non, je veux pas aller chercher un bidon. Vraiment, je vous la ferai voir. Bah, après, ceux qui sont venus visiter, vous l'avez vu en action, mais. Enfin, pas tout le monde, parce qu'il y a des fois, je l'allume et je l'éteins. Ça consomme quand même 2500 watts. Ah oui. Du coup, tu la laisses pas longtemps, hein, parce que ça fait mal. Mais ouais, il faut que je regarde le produit parce que dans les débuts il crachait fort, des gros flocons, et là par la fin, après j'ai pas remué enfin c'est du savon à moitié, hein. Du coup je l'ai pas remué, alors je pense que c'est pour ça que ça fait pas de gros flocons. Mais voilà les avis, hein, franchement tous les avis des toutes les personnes qui sont venues, c'est. Franchement, ça fait mais tellement plaisir, mais vous savez même pas comment ça se. À un point, en fait, ça fait. Et le pire, c'est les petits. Il y a des garçons, des petits garçons, mais le pire, c'est les petites filles. Mais les petites filles de 2, entre 2 et 4 ans, c'est ça, c'est vraiment touchant quand ils te parlent. Et même leurs parents, ils leur demandent, bah, qu'est-ce que tu veux pour Noël comme cadeau? Alors, elle est là, elle est toute timide, elle te dit, ouais, je veux une petite. Bah, là, je le fais mal parce que j'ai une voix de gars, mais franchement, avec la petite voix de fille, là, comme ça, qui dit, bah, moi, ouais, j'aurais voulu ça, ça. Ça et bah franchement ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir, et j'espère que le Père Noël passera. Je viens de m'apercevoir que j'ai une guirlande ici qui ne fonctionne pas,
Du coup, je regarderai le transfo et je le changerai. J'ai des transfos banals, j'en ai de ça. Pas forcément banal parce qu'en plus c'est un blanc flash. Du coup, je vais regarder. Normalement, j'ai des transfos. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que ça n'a pas fonctionné parce que j'ai plus le souvenir de l'avoir vu fonctionner ça depuis un petit moment. Bon, bref, c'est pas bien grave. Pourtant, les transfos sont cachés. Hein. Là, pour le coup. Mais là, franchement, je remercie. Tiens, il y a un trou là. Ouais, c'est dangereux ça. Moi, je remercie quand même toutes les personnes. Ça fait vraiment plaisir. Mais d'un point. Et même sur YouTube, hein, les commentaires que je reçois. Et là, tout à l'heure, j'en ai épinglé un. Qu'une personne m'a mis en me disant ça se ressent vraiment, mais vraiment que ce que je dis en fait c'est sincère. Et franchement, son commentaire, je l'ai épinglé. Si je le retrouve, je vous le mettrai à l'écran. Voilà, normalement, vous l'avez vu. Et franchement, dédicace à cette personne parce que ça m'a fait vraiment plaisir ce commentaire. Il me touche. En fait, tous les commentaires me touchent parce que ouais, vous ressentez que c'est sincère ce que je dis et ce que je fais. Et du coup, voilà. Franchement, c'est que beau. Il y a rien. Il y a pas de mots. Franchement, je vous remercie énormément. Mais c'est dingue. Puis bah ouais, tous les avis, que des avis positifs. En fait, il y a pas un avis qui est pas du tout positif. Et du coup, ça fait vraiment plaisir. C'est voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Puis bah pour ceux qui veulent visiter la maison, je redonnerai l'adresse. Enfin, je vais vous la redonner maintenant. Alors c'est le 1 chemin du Moulin, 41330, La Chapelle Vendemoise. 41330. Dans le Loir-et-Cher. Bah après, il y en a des personnes qui sont venues, ils ont fait à peu près pour la personne. Attendez, je remets le tapis. Faudra que je remette demain. Il y a des personnes qui ont fait 2 heures de route aller, 2 heures de route retour. Et il y en a plusieurs des personnes, soit des abonnés de ma chaîne et qui voulaient voir la maison en vrai. Ça veut dire s'il y a des personnes ouais, qui ont à peu près 2 heures de route, n'hésitez même pas. Ça fait vraiment plaisir. Je discute avec vous. Pourquoi pas prendre une petite photo ou quoi que ce soit avec le Père Noël, machin, pour garder un petit souvenir. Bah voilà, ça fait vraiment plaisir. Et ouais. Même si vous avez 2 heures de route, c'est vrai que ça va coûter un petit peu de sous, l'essence, machin. Mais franchement, on peut passer une très bonne soirée. Ouais, vous allez passer une très bonne soirée. De toute façon, toutes les personnes qui sont venues, ils n'ont pas été déçues. Il n'y a pas une personne. Et bien évidemment, toutes les personnes aussi qui sont venues l'année dernière et cette année, bah, ils m'ont tous dit, bah, c'est énorme. Ça n'a rien à voir avec l'année dernière. C'est deux fois plus beau, c'est deux fois plus grand. Et moi, je vous dis, hein. Les autres années, les amis, hein, vous allez voir, ça va être du très lourd. J'ai déjà des projets, après faut juste que j'achète les décos. Mais ouais, j'ai des projets de malade, malade, malade. Juste en décoration, franchement. Franchement, à l'avenir, je vous prévois du lourd. Déjà l'année prochaine, je pense que ça va. Comme là, vous voyez cette année, vous voyez les changements, mais l'année prochaine, ça va être deux fois plus grand, ça va être monstrueux. Si je trouve les guirlandes qu'il me faut. Voilà. Franchement, déjà tout le toit là-haut il sera fait de la maison, ça va te faire une boule lumineuse là, laisse tomber. Et après j'essaierai de faire les haies, toute la grande haie en haut. Bah enfin combler quoi, mais ouais, changer toutes les décos de place, comme j'aime faire. Là la partie forêt, vous la voyez ici. Peut-être que le prochain coup, enfin l'année prochaine, elle sera autre part. Hein. Ça on. Voilà, peut-être qu'elle sera ici, ou la partie banquise sera à la place de la partie forêt, enfin on sait pas. Ça sera. On verra l'année prochaine, voilà. Mais on n'en y est pas là déjà. Mais j'ai déjà des projets de fou. Là, ça me plaît la déco. Mais je me vois déjà encore avec plus grand et j'ai envie de faire mieux et je veux faire mieux. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser les amis. Merci d'avance pour tous les commentaires que vous allez mettre dans la vidéo. Et puis j'y réponds avec grand plaisir. Voilà. Sur ce, passez une très bonne soirée, un très bon dimanche. Et une très bonne semaine pour ceux qui travaillent, l'école, le boulot. Et puis bah voilà, à une prochaine vidéo les amis, je sais pas quand, mais en tout cas je vous tiendrai au courant. Allez, ciao ciao les amis.